Bonsoir à tous, bienvenue sur Factor. On se retrouve pour une petite stream surprise, un petit stream pas prévu. Et c'est pas un tu connais, c'est une découverte d'un jeu qui va sortir le 22 novembre prochain. Le jeu c'est Girl of Glass et c'est une production allemande qui mélange, on va dire, point and click, combat tactique et il y a un petit peu aussi de visual novel. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a un petit look un petit peu Ghibli. En tout cas, c'est vraiment très inspiré. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Summer of her life, but also the worst. She had lost so much, but she had found courage, and for the first time, she felt like she had a future. It was time to leave the past behind. She decided to look at the photos one last time. The old woman in the next seat leaned in. Et voilà, ça commence, donc on commence avec du bon petit visual novel. Ah, la young woman delightful, is your friend. We're very well colleagues, on n'a jamais été plus que des collègues. Je suis sûr qu'on aurait pu être amis, hein, mais elle a préféré garder ses distances. Oh, c'est bien dommage. Mais est-ce que tu as essayé d'aller vers elle? Pas vraiment. Mais c'est trop tard maintenant. Ça, c'est une femme bien apprêtée. Ah bah dis donc. She's the worst. C'est exactement comme m'énerver. J'ai envie de lui mettre un coup de poing dans la tête. Mais ça lui donnerait raison. Je suis désolé d'entendre ça. Mais parfois, les gens provoquent les émotions des autres justement pour refléter leur propre insécurité. J'ai jamais pensé à ça. And who might this colorful character be? Qui celui-ci peut-être? C'est le clown. Il est à mourir de rire. Ses blagues sont excellentes. Je peux imaginer. Ah, c'est dommage que personne puisse les entendre encore. Monsieur Loyal. Ça a l'air d'un mec qui sait ce qu'il veut. Tout ce qu'il voulait, c'est qu'on le prenne au sérieux. Mais comment je peux... Comment je peux prendre au sérieux un mec qui fait 4 pieds de haut et qui se comporte comme un robot? Il est juste pathétique. Vous pensez pas que quelquefois ce qui nous ennuie le plus dans les autres, c'est ce qui nous rappelle nos propres défauts? La musique est superbe, hein. Vraiment. La musique, le son du train là tout à l'heure, c'est le narrateur, ça a l'air vraiment sympa. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est censé dire? Je suis pas le... Je suis pas Monsieur Loyal. Bien sûr, non. Ah, un ours. Ah, quelle femme fascinante. À quoi elle ressemble?
n'en sais rien. On n'a pas beaucoup parlé en fait. Je pense que c'est mieux comme ça. Ça se trouve. En fait, elle l'a. Au final, c'était pas une belle personne. Crystal paused for a moment. Did she really know these people? Or was she just making it up on the spot? What if she had answered differently? Would her memories of them change? She tried not to think about it. After all, it was natural for her mind to be scattered, considering what she had been through. The final photograph was the one of her and the boy. Ah, c'est mignon celui-là. Où est-ce qu'il est maintenant? Crystal hesitated. She didn't know what to say. He was the reason she had made it this far, but then, just the thought of it made her nauseous. Then something even more horrible dawned on her. When she saw the eagle, her blood ran cold. A million thoughts rushed through her head. How could she have been so stupid to think she'd just get on a train and get away? She was naive, and now reality had caught up with her. This time, she had nowhere to run. After all, she was still the frail little girl she had always been. And he was much too strong. Alors, ça vous fait plaisir, hein? Ah, quand je sais ce que t'as fait, ouais. Tu mérites ça et bien plus. Maybe she did deserve this, but did it really have to end this way? Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes confortablement installés sur vos, on va dire, touches les bon, je perds mon français parce que le show qu'on a préparé pour vous est tellement excitant, incroyable et drôle. Vous allez pas en revenir pendant la prochaine heure. Et c'est parti. Funny maybe, but thrilling and exciting was a bit of an exaggeration. In fact, the circus had fallen far since its golden days. Over the last couple of years, many performers had left. But who could blame them? After all, they joined the circus expecting adventure. When they learned that the ringmaster refused to travel, they eventually got bored and moved on with their lives. The only performers left were those who had nowhere else to go. The circus was their safe haven. It didn't matter to them that the show was done. They just wanted to escape the real world. Crystal wasn't one of the performers, but she still couldn't leave the circus. If anything, she felt like a prisoner. Sure, the circus was safe, but it was also deadly monotonous. She was tired of hiding from the rest of the world. When would it be her turn for some adventure? Alors, click to run to walk, double click to run. Ok. Sun touched her skin. She had been blindsided by summer. It was as if Mother Nature had fallen asleep on the job, only to wake up and fast forward several months overnight. For a moment, nothing else mattered. Hey, whoa. The voice was like a cloud intercepting the rays of light. Then, she saw the boy. La chose est terminée. Ouais, j'ai vu. Est-ce que tu l'as aimé? Ah, c'était ok. Ça aurait été meilleur si tu avais été dedans. Moi? Oui, tu es la fille de verre. Comment tu sais? Ah, c'est toi? Ouais, mais comment tu sais que c'est moi? Je reviens pas. Mais comment tu sais? Ah, je suis désolé.
Ma maman, elle parlait de toi souvent. Parler? Oui, enfin bref. Ça doit être chouette de vivre dans au cirque. J'imagine. Ça n'a pas l'air très convaincant, ça. Et tu penses quitter le cirque? Oh, c'est plus un rêve en fait, mais je peux pas. Pourquoi pas? Je suis trop faible. Je sais pas si tu t'es accompagné. Tu peux venir avec moi. Je peux pas partir avec un étranger comme ça. Pourquoi pas? Bah, et si t'étais un meurtrier? Oh, mais quoi? Tu veux dire, pourquoi tu voudrais que je t'accompagne? Je ferais que te ralentir. Donc tu dois être un meurtrier complètement taré. Mais c'est impossible, c'est complètement stupide ce que tu me racontes. Je voudrais... je ferais le mal à personne. Bien sûr, c'est tout ce que tout ce que les meurtriers disent. Ouais, je veux dire, si je te tuais et que je transporterais ton corps mort, oui, effectivement, ça me ralentirait. Oh, et en plus, un psychopathe. Au moins, on a le même type d'humour. Alors, est-ce que tu veux venir avec moi ou pas? C'est pas que je veux pas, c'est juste que là, c'est tout de suite maintenant. Kristen knew that opportunities like this don't grow on trees. Maybe this was her only chance to leave the circus. Est-ce que tu me diras, permettras de dormir Non, c'est une voiture ou un van, je sais plus. Ah non, est-ce que tu permettras sleep on it? Est-ce que tu peux me permettre de réfléchir un petit peu? Oui, bien sûr. Je vais rester là ce matin. Donc, bah écoute, t'as qu'à venir me voir quand tu sais ce que tu veux faire. Oh, juste une seconde, avant que tu partes, j'aimerais bien prendre une photo de nous. The boy snapped a photo and put it in his pocket. They said their goodbyes for now. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit côté. Un petit côté Ghibli, un petit côté jeu level 5 là, avec la palette de couleurs, un chat, évidemment un chat. She decided to give the circus one last chance. Her mind would be made up by the morning. It was time for dinner. She could smell the stew from the caravan. The tall lady's cat was tormenting a pigeon. It hissed when Crystal came close. It wouldn't let her pass. She would need something to shoo it away with. Ok, il va falloir trouver quelque chose pour shooter le chat. The only thing inside the ticket booth was the footstool the ringmaster used to reach over the counter. That, and a tip jar with two popsicle sticks and a lonely shirt button. Alors, comment je peux me permettre de payer des grosses études si les gens nous filent des pourboires nuls? Ils savent pas que je travaille pour des pourboires, moi? Ouais, probablement, ils savent probablement que j'existe même pas. En plus, de qui je me moque? J'irai même pas au collège. Je sais même pas lire. J'aurais bien aimé m'y mettre en maternelle. En y réfléchissant, ce chat button looks like nice. Donc elle a travaillé, voilà, un bouton de t-shirt. The fortune telling machine was old.
While it did have a coin slot, Crystal had discovered it could also be started with a well-placed slap. Crystal gave it a whack. Demain sera un jour productif. Ne dormez pas trop. Said the same thing. Crystal figured the ringmaster had programmed it. Crystal shivered when she looked at the giant teddy bear. It was supposed to be an obtainable prize back when they had games at the circus, but that was a scam. Now it just stood there, staring at her in the night. Alors, est-ce qu'on peut balancer le bouton sur le chat? The tall lady's cat was tormenting a pigeon. It hissed when she would need something to shoo it away. Ouais, non, ça a pas l'air de... Ça a pas l'air de fonctionner, ça. Ah, parfait. Un balai, c'est un genre de kryptonite pour les chats. Ah bah nickel. Est-ce que je peux te parler, toi? The clown, a man in his best years. He was juggling, dancing and telling jokes all day long. He could put a smile on anyone. Crystal admired him. Ah, sorry ma petite. Désolé ma petite. Je peux pas trop parler maintenant, en ce moment. Mais... cette botte, tu sais, t'as dit cul. Ok, d'accord. Ah, j'ai faim. Mais le spectacle doit continuer. It seemed only food could take his mind off juggling. Ok, donc il va falloir aller chercher de quoi bouffer. Ah, il y a un truc là. The door to the stables was locked. Crystal wasn't allowed to enter without supervision. Ok. The tall lady's cat was it. She would need. Alors, j'ai un balai, laisse ce pauvre oiseau tranquille, sinon je vais te l'envoyer dans la tête. Pauvre enfant, tes attaques n'ont aucun effet sur moi. Ouais, on va voir ça. Ok, et c'est parti. Donc, pour le mode de combat tactique. Alors, click and hold inside the circle, ok. Ah d'accord, ça c'est quoi ça? Near attack. D'accord, oui, ça doit être le symbole pour les attaques et puis de la défense plus loin j'imagine. Quel est ce sort, salari? Je t'ai prévenu. Hein. Tu me rends encore plus énervé. Niaou. J'ai cette délicieuse goût dans ma bouche. C'est du rat, oh, ou du lapin peut-être. Non, c'est encore mieux ailleurs. Attends une seconde. Attends, tu m'as fait goûter mon propre sang. Tu vas payer pour ça. Bon, est-ce qu'on peut pas parler à la place? Est-ce qu'on peut passer à un accord? Tu peux passer, et puis moi je garde l'oiseau. Hein? C'est ok, non? Désolé, mais c'est trop tard pour ça. Brûle en enfer, fille de verre.
devrais t'en prendre à quelqu'un de ta taille. Dit celui qui s'attaque à un pigeon. C'est pas la même chose. Ah bon, pourquoi ça? Mais nous, on s'amuse, c'est tout. Ça a pas l'air. Pigeon n'avait pas l'air de s'amuser, lui. Bien sûr que oui. Dis-lui, petit oiseau. Dis-lui comment on avait. Comment on s'éclatait ensemble. Help. C'est excellent, ça. Shut up, Romeo, bite your off neck. Allez, c'est parti. Continue. Plus que deux coups et on est bon. J'ai pas vu le cooldown en fait. Critical. Ah, ça, c'est pas. J'ai pas l'air bien là. On se reverra, fille de mer. When the cat was gone, the bird chirped. Everyone knows birds can't speak either. But Crystal imagined it had something to say. Merci, merci. Coucou. Courageuse fille. Ne me remercie pas, je fais juste mon boulot en tant que employé. Employé. Janitor. Bref, je le retrouverai. Je veux dire, le gardien de ce cirque. J'étais dans une mission pour délivrer cette importante lettre à quelqu'un du cirque, mais je suis trop fatigué pour continuer. T'inquiète pas, je vais le faire pour toi. J'ai une dette envers toi. Crystal couldn't decipher the name on the envelope. She would have to ask around to find its recipient. Bon, ben voilà, on peut passer maintenant. The ringmaster was in a wild argument with a large officer. This was the sheriff. His presence meant trouble for the circus. He was a disciple of the Eagle, the tyrant who ruled the country. Their affiliation was official by the emblem he carried on his chest. Before Crystal came close enough to hear their conversation, the ringmaster slammed the door in the sheriff's face. Oh, je vais trouver de quoi dire sur ton compte, mon gars. Et quand je reviens, quand je trouverai quelque chose à te mettre dessus, je reviendrai. Et pars-toi de là, petite. I'm not falling for that. Sit yourself. Ton zip est vraiment ouvert. Je me demande ce qu'il veut. On peut descendre là ou pas? It hadn't rained for weeks. There wasn't a single drop of water at the bottom of the well. The well-dressed lanky woman was prima donna Luciana Valentina Scorticini. Crystal called her the Tall Lady for simplicity. She used to be a famous opera singer, or at least so she claimed. But she had left that life behind when she joined the circus. When the ringmaster brought Crystal to the circus, the Tall Lady protested. Crystal never really understood why, but it was clear that the Tall Lady hated her guts. Worst of all, she seemed to derive enjoyment from provoking Crystal and watching her lose her temper. Crystal often felt ashamed after her impulsive tantrums. But at the end of the day, perhaps the outbursts were exactly what she needed. Qu'est-ce que tu veux? Ah, pourquoi le shérif était là? Oh, tracasse pas ta petite tête pour ça. Laisse les adultes s'en occuper. Je suis pas un enfant. Ouais, ouais, bien sûr. Écoute, je vais te le dire, mais pense pas que c'est, pense pas que tu peux être impliqué là-dedans. Je suis désolé de t'en informer, mais le shérif a décidé de nous faire fermer le cirque.
C'est... Oh, c'est tout ce que t'as à dire. Alors, après tout ce qu'on a fait pour toi, donne-nous un peu de respect. Du respect, tu ne m'en as jamais manqué. Tu m'en as jamais donné depuis que je suis là. T'es juste une célébrité qui pense qu'elle est meilleure que tout le monde. Moi, je serais bien ravi si le cirque ferme. Ça veut dire que tu seras sans emploi. Tu perdras ton boulot. Tu devrais apprendre à contrôler tes émotions, jeune fille. Alors, je joue pas à la stupide, fais quelque chose. Apporte-moi une bouteille d'eau. Pronto! C'est l'italien pour rapidement. Crystal had no choice but to comply. It was her job to serve the circus performers after all. But where would she find water? La seule chose que tu trouveras là dans cette zone de stockage est cette jeune fille étrange. S'il y avait de l'eau là-dedans, elle serait contaminée par sa profanatie. Va chercher ailleurs. Il y a une noix ici. The goose had moved into the circus the same day as Crystal arrived. It was probably just a coincidence. What did fill Crystal with wonder, however, was how it got there, because she had never seen it fly. Most of the time, it just sat on the roof and gazed out over the horizon. Crystal imagined it was missing its family. En tout cas, le doublage est bon, le son est bon. Le graphisme, c'est assez mignon. Crystal was not too fond of how she looked in the mirror. All she could see was her flaws, so she'd rather not look at all. The stove was warm and cozy. In the winter, she could sit and stare into the fire for hours. When she looked deep into the flames, everything else became dark. It allowed her to escape the circus. If only for just a moment. This was the bear woman. She was the most recent addition to the circus crew. Why she chose to join the circus at the time when most of the performers were quitting remained a mystery to Crystal. She was taciturn and had a habit of sleeping during the day. Even when awake, she didn't say much. Crystal knew absolutely nothing about her. On va pas réveiller un ours qui dort. En tout cas, pas sans une bonne raison. The clock was out of battery. Just another detail which made the circus feel frozen in time. Une bouteille. Honey, the edible cold. The others wouldn't be happy if she took it all for herself. It took a lot of willpower, but Crystal managed to keep her paws off the jar. Non, on va pas la réveiller. On va aller lui proposer la lettre à elle. Est-ce que c'est ta lettre? Une lettre? Qui envoie des lettres aujourd'hui? C'est tellement old school. Mais de toute façon, personne pourrait t'envoyer du courrier à toi. C'est ce que tu fais de mieux?
Je lui vois pas un truc là, il est où le monsieur loyal là? It hadn't rained for weeks. Ouais, mais ça c'est toujours pareil. Ok, elle répète son machin. Crystal remembered when these posters were made. It was back in the day when twice as many performers lived in the circus. Among others, the painted picture showed the tamer, the mechanic, the twin line dancers, and the daredevil. She used to get along well with these people. They were all so kind to her when she arrived at the circus. But now they were gone, and every day Crystal asked herself what she was still doing at the circus. Il a manqué un truc. Non, on peut pas passer là. Ah si, on peut passer. Talk to the boy if you need help. Ok. Hey, bonjour, fille de verre. Est-ce que tu as repensé à notre affaire? Ah, désolé, je réfléchis toujours. Est-ce qu'il y a quelque chose? I need help. J'ai besoin d'aide. Comment je pourrais t'aider? La dame, je lui donne de l'eau. Mais elle ne boit que des trucs de super qualité. Le clown a des bouteilles d'eau, mais il est trop occupé à me parler. La seule chose qui sont dans sa tête, c'est de la bouffe et le jonglage. Peut-être que si je lui amène de la bouffe, il arrêtera le jonglage. Il y a une espèce de pudding sur le feu dans la caravane. Peut-être que je pourrais remplir un bol et lui en servir. Avec j'ai vu un bol vide sur une étagère dans la caravane. Et ben voilà, t'as finalement pas besoin de mon aide. Merci. Alors, un bol vide. Ah. En effet. A sturdy bowl, great for serving hot stew. Crystal filled the bowl with stew, but this serving was not for her. Bon là, le personnage se traîne un petit peu, c'est un peu dommage. Ça mériterait un peu plus de vitesse là. Oh, cette
tout soupe à l'herbe est pour moi. Bien sûr. Pour qui d'autre pourrait-elle? Merci. Et hop. They were regular juggling pins. Crystal had no reason to take them. C'est celle-là que je veux prendre. Ça devrait plaire à la femme. Yes. Attends. Non. Est-ce que c'est pour toi cette lettre? C'est une jolie lettre. Elle est pour toi. J'aimerais bien, mais il n'y a pas mon nom dessus. Salut Krim! Quelle est cette étrangeté? Eh ben, c'est The Girl of Glass. C'est un jeu développé par un petit studio allemand qui est un mélange point and click et tactical. Avec une ambiance un peu Ghibli, comme tu peux le voir. Et belle musique, beaux effets sonores, un narrateur intéressant, des dialogues intéressants. Ça y est, allez, bois. Excellent. Petit démon. Tu peux être chanceuse que je cours pas que je ne dirige pas le cirque. Si c'était le cas, ça ferait longtemps que je t'aurais foutu à la porte. Je comprends pas que le monsieur loyal, ce que le monsieur loyal voit en toi. Ce cirque, c'est du boulot, c'est pas juste une œuvre de charité. Et sacré mélange, ouais, sacré mélange en effet. Quand j'ai vu sur Steam que tu y as joué, je suis allé voir la page du jeu. C'est point and click ou visual novel? C'est un mélange en fait. C'est du point and click, mais ça parle beaucoup en fait. Mais tu vois, c'est étonnant en fait le look du jeu, le propos. Alors. Ah, c'est son chat, d'accord, ok. La salsa era deliciosa. It's Italian for I will never forgive you. Cette DA, elle est chouette, hein. Ouais. Arrête de parler italien. Je parle ce que je veux, comment je veux. C'est pas ma faute si tu es pas bilingue, hein. Allez, hop. Fiche le camp. Crystal okay. Felt remorse over beating up the cat earlier, but she wasn't in the mood to go looking for it. Finding the recipient to the letter seemed like a more important task. After that, she could search for the cat if it was still missing. Donc tout à l'heure, je me suis battu contre le chat justement. Ah bah, y a plein de trucs ici. Crystal found it odd that the old generator was always running, despite the circus using very little electricity. The pylon was rusty and looked like it could collapse at any moment. C'est la copie complète, c'est la version complète du jeu. Qui sortira le 22 septembre. Enfin, je crois que c'est quasi complet, elle va se débloquer un peu plus tard. Mais il y a. On m'a dit qu'il y avait au moins la moitié du jeu. Someone had just been in there and it smelled awful. Ah, je sais pas. Je peux plus attendre. Alors il y a. Moi je trouve que le seul reproche que je peux faire au jeu, c'est que l'héroïne elle se traîne quoi. Tu vois, même en courant. C'est un peu dommage en fait. Alors toi t'es qui? Her nickname was self-explanatory. Crystal was thrilled when Stronger first joined the circus. Ah bah, je t'invite à rester le temps de voir le deuxième combat, que tu vois un peu comment ça marche. But their friendship didn't play out the way Crystal had imagined. In fact,
It didn't play out at all. There was just this unbearable silence whenever the two of them were together. Hello. Hello. Je devrais pour le moment me reprendre ma routine. But maybe the letter was hers. En fait, l'intro, elle était vraiment cool. C'est dommage que tu... Faudra que tu revoies le replay. L'intro, elle était vachement bien. Crystal had no business inside the tool shed. Alors, est-ce que c'est une lettre pour elle? Est-ce que c'est une lettre pour toi? Ah ouais, ça a mon nom au-dessus. Ok, ça c'est ma chance pour ouvrir la conversation. Mais qui envoie des lettres aujourd'hui? C'est un peu old school, hein? Pourquoi tu dis ça? Laisse tomber. Ah, je me déteste. En fait, il y a quelque chose que j'aimerais te demander. Ouais. Est-ce que t'as un peu de temps à passer avec moi? Je me rouille un peu et j'aimerais... Et je peux pas faire ça tout seul. Guess. Merci. Et à propos de la lettre? Ah, c'est ok, la lettre peut attendre. Alors, je vais te guider. Fichier brin d'acier version Ghibli. Alors, d'abord, tu vas commencer par m'attaquer avec tout ce que tu as et je répondrai avec un coup de poing. Alors, le jeu, le système de combat se comporte comme ça. Tu vois que tu as des carrés qui symbolisent les persos. Et pour mener tes attaques, alors c'est un peu particulier. En fait, il faut mettre sa souris dans le cercle, tirer, et ensuite tu choisis ce que tu veux faire. Bon, là, j'ai juste cette attaque-là de base. Et comme j'ai chopé un balai tout à l'heure, bah, j'attaque avec mon balai. Ouch. J'essaie de me retenir autant que je pouvais. Hein. Quand t'es touché par une attaque, tu perds un peu d'énergie. Je t'en expliquerai plus là-dessus tout à l'heure. Ok, maintenant tu vas garder et ça devrait réduire les dommages que tu prends. Et tu devrais pas perdre d'énergie cette fois-ci. Ok, blocked. Voilà, parfait. Garder peut être intéressant jusque... Ne garde pas deux fois de suite. C'est une tactique un peu ridicule. Normally, attack is based on how fast you and opponent are. But tactical move like guarding always have priority over attacks. Oui, voilà. Normalement, les attaques sont dans le sens de celui qui est le plus rapide que son opposant. Mais les mouvements tactiques comme la garde ont toujours la priorité. Ils auraient pu faire moins jeu vidéo comme dialogue. Ouais, en fait, avec le chat tout à l'heure, c'était comme ça, en fait. Another tactical move is concentrate. Alors, un autre mouvement est la concentration. Je vais le faire en premier, tu vas juste m'attaquer normalement, toi. Mais j'imagine que c'est juste le tutoriel et qu'après, il y aura moins ce genre de dialogue à chaque fois que... Maintenant, je suis focus. Ça veut dire que je peux attaquer deux fois. Je peux faire deux fois... deux actions au prochain tour. Si tu n'es pas une attaque while concentrating. Yes. Ah oui, si tu n'es pas interrompu par une attaque pendant que tu te concentres, tu regagnes de l'énergie. Je pense que pour toi, c'est mieux que tu pars ce tour-ci. Bah oui, vu que tu vas attaquer deux fois. Ok, maintenant tu vas concentrer et je t'interromprai pas. Ça, c'est bon pour l'instant. Si tu gardes, quand tu es focus, tu sauvegardes une action supplémentaire pour le prochain tour. Mais ça, c'est les tactiques avancées. Pour l'instant, attaque-moi juste deux fois. Ouais, donc c'est vraiment du...
C'est vraiment ce genre de... Ce genre de système de combat, quoi. Ok. On a vu les bases. Allez, on va se battre maintenant. Par contre, faut bien être sur l'icône et ça, par contre, c'est un peu dommage. En fait, j'aurais vu quelque chose de plus ergonomique que ça. Là, il faut être vraiment, faut que la souris soit au milieu de l'icône. C'est pas très efficace, en fait. Je vais faire ça. Ah. Aïe. Est-ce que je suis focus ou pas? Ouais, je suis focus. On va essayer d'attaquer deux fois. Ah, mais ça c'est chiant. Oh là là. Ah, t'as plus d'énergie. Dans cet état-là, tu peux plus bouger. Si je te tapais maintenant, tu prendrais des dommages critiques, mais t'en fais pas. Tu vas juste te remettre en place au round prochain. T'as pas beaucoup d'énergie parce que t'es... Je te fais trop mal. Ok. Donc là, tu aurais rien pu faire, mais tu devrais toujours. Tu devrais toujours essayer de te protéger si tu peux des attaques des gens qui sont plus forts que toi. Comment savoir si les gens sont plus forts que moi? Parfois, c'est obvious. L'eau éteint le feu. D'autres fois, tu devras expérimenter et mémoriser. Et bien sûr, ça vaut aussi pour les pour quand tu attaques. Ça a aucun intérêt d'attaquer un adversaire si tes attaques lui font aucun effet. Dans le futur, tu devras apprendre à utiliser des capacités qui consomment de l'énergie. Et donc, ça sera vraiment très important de garder une bonne regard sur ta jauge d'énergie. Allez, je pense qu'on peut s'arrêter là. Surtout, pourquoi pas avoir mis le menu affiché d'entrée. Ben oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Ah, c'est déjà le soir. Le temps passe vite, hein. Ouais. Et voilà ta lettre. Oh, je suis tombé, désolé. The letter was lying on the ground in front of them. But the next moment, the wind grabbed hold of it and pushed it in under the tool shed door. There was no reason to panic. Crystal calmly walked over to the shed. But the door wouldn't budge. It was locked. Est-ce que tu sais où est la clé? C'est dans le bol au-dessus de l'étagère. Ah, j'ai juste utilisé ce bol pour servir à manger au clown. Aïe. Je vais voir avec lui. Ouais, tu devrais. After a series of unfortunate events, the letter was behind the locked tool shed door and the clown had been served the key for dinner. Crystal felt responsible to sort out this mess. Tic-toc, jeune fille, est-ce que t'as trouvé mon chat ?
Oh, c'est bon, tu m'agaces avec ton chat. J'ai autre chose à faire en ce moment. Oh là là, ce tempérament. Ouais, en fait, le système de course, pareil, c'est bizarre. Parfois, tu double-cliques, ça court pas. Parfois, oui. Je sais pas si c'est. Ça doit être quelque chose de patchable, hein, parce que c'est pas. Ça a pas l'air trop méchant. Et puis, bon, après, je sais pas ce que c'est comme version, je sais pas de quand elle date. Je sais qu'il y avait une démo qui était dispo sur Steam, je sais pas si elle est encore là. Elle est peut-être là en fait la démo. Et je sais que ça c'est une version étendue entre guillemets de la démo. Mais je sais pas de quand date cette build. Je sais pas si depuis ils ont pas bossé ou quoi que ce soit. Si tu vois le curseur pareil c'est un curseur simple de souris. Alors que quand tu joues à la manette t'as un curseur différent. Donc j'imagine qu'il y a tout un tas de choses qui vont corriger d'ici la sortie en fait. Ah la clé de mon cœur. Ce que tu m'as servi était délicieux. Le goût de métal était vraiment délicieux. C'était pourquoi le masala? Ah, ça devait être la clé. Est-ce que tu l'as avalé? Oups. Oui, je pense que. Voilà. Désolé. Mon estomac a déjà fait bien pire. Comme le gâteau aux fruits de notre chat. Je suis pas sûr quel est l'ingrédient principal des poils de chat ou des fruits. Mais on va avoir un problème si je retrouve, si je retourne pas auprès de la fille forte avec la clé. Je suis désolé d'entendre ça. Super fan de la fille forte. J'ai pas envie de l'embêter. Je pense qu'il y a plein. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Bah oui, à part attendre devant les toilettes. It was getting late, and she still had to find the tall lady's cat before she could call it a day. Alors, le chat. The door to the stables was locked. Ouais, bah ça c'est j'ai déjà vu ça. Tu vois là, on court, mais en fait, on se traîne en fait. C'est dommage. Alors, il est où ce stupide chat? Crystal shivered when she looked at the giant teddy bear. It was supposed to be an obtainable prize. Ouais, ça on l'a déjà vu. Ça on l'a déjà entendu. Où est-ce qu'il est ce stupide chat? The only thing inside the ticket booth was the Ouais, ça c'est bon. On l'a déjà vu aussi. Alors l'oiseau, il est plus là l'oiseau. Ah, voilà le chat. Ah! Surprise to see Mel so soon! Actually, I was looking for you. Ah, pourquoi? La dame était un peu inquiète pour son petit chat en peluche. School at home, smelly hag, Mel's. Je suis là pour ma revanche. La dernière fois, tu m'as pris par surprise. Cette fois-ci. Je me suis. J'ai affûté mes griffes et j'ai préparé mon approche. Tu seras. Tu n'as aucune chance. Ok, c'est parti. On va faire ça. Ah ah! Allez, ça fait mal quand même. T'as vu? Qu'est-ce que je t'ai dit? Elle est sérieuse, c'est ça. Je devrais faire attention, ça. Ah! Mon esprit et mes griffes sont plus affûtées quand je me concentre. Fury swipes. Ah donc il a un pouvoir lui.
Alors, on va se protéger peut-être. Ah ouais, carrément. Trois coups en fait. Ah, pourquoi dire un pirate? Qu'est-ce que tu veux dire pirate? On ronronne juste. Je pensais que les chats ronronnaient que quand ils étaient heureux. Peut-être que j'adore me battre contre toi, fille de verre. Genre tu vas taper un chaton, tu te mets tout internet à dos. Ouais mais t'as vu le chaton en fait. Cat al super in distress or in pain. Ça c'est quand même chiant en fait. Aïe. Tu vois, je dois m'y reprendre à deux fois, c'est un peu dommage en fait. Non mais là c'est pas possible. D'accord. J'ai besoin de lécher mes plaies. Mais ça va me prendre de l'énergie du temps. Allez, je vais prendre l'oreille, j'espère juste qu'elle n'utilisera pas ce round pour se concentrer. Qu'est-ce que tu marmonnais là? Rien qui t'intéresse. Alors, on va se concentrer justement. Non mais ça c'est ouf quand même. Je suis obligé de cliquer deux fois. Ah, Fury Swipes. Ah, j'apprécie que tu annonces ton attaque spéciale. Ça permet qu'elle soit plus facile à contrer. Oh, on m'a dit que c'était... On m'a dit que ça faisait cool d'annoncer son attaque spéciale. Ma maman. C'est ma maman qui m'a dit ça. Désolé, mais t'as menti, c'est super nul en fait. Ah, damn you, fille de verre. Alors, attaque spéciale, on va parer. C'est pénible ça. Je dois me lécher encore une fois. Oh là là. Et c'est la fin du chat. Non, not again. C'est pas possible. Eh oui, t'as été défait. T'as été éliminé. Allez, cours vers voir ta maman. Est-ce que tu aimes genre haïr les chats ou un truc comme ça? Ah, tu m'as vu. Ah, je juge pas. Ce chat est comment dire Ah, c'est bon, t'en fais pas. Je suis quelqu'un qui aime les chiens. Ah, te voilà, petite fille. Viens me voir par ici. Regarde qui est-ce qui est revenu directement dans mes bras. Juste, mais dis rien.
Qu'est-ce qu'il y a, ma petite, mon petit amour? Tu veux des gratouilles? C'est pas ce que j'ai dit, mais vas-y. On dirait que tes griffes sont un peu longues. On va devoir te faire une manucure ce soir. Non! Je veux pas être désarmé. Oh, le petit bâtard m'a mordu. Tu devras dormir dehors ce soir, Mr. Whiskers. Mr. Whiskers. Monsieur Moustache. Ah, is it late? It is late. Go inside. Tu devras aller à l'intérieur. J'ai besoin d'une dernière bouffée d'air. Sans toi. Strong girl was leaning over the bear woman as Crystal entered the caravan. Réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais? Is she dead? Est-ce qu'elle est morte? Non, non, elle est juste... elle dort juste beaucoup. Ouais, mais bon, ça... C'est... Un night shift sans... Comment dire, sans... 6 heures de travail nocturne vont bientôt travailler, vont bientôt commencer. On devrait la réveiller. Est-ce que tu veux pas la secouer un peu? La dernière fois que je l'ai touchée, elle a failli m'étrangler. Donc je pense pas que ça soit une bonne idée. Mais on va essayer quelque chose d'autre que nos voix. What the smell? Ah, qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est l'odeur de l'air frais. Ah, bien sûr, c'est toi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Rien, là. Oh, fun girl. Ok, I think I'm going to bed. Je pense que je vais aller au lit. Ça, sensitive. On ira s'occuper de la lettre demain, ok? J'attendrai devant l'abri à outils. Tu ramèneras la clé. Ça, de la fumée dans la maison est en feu. Non, calme-toi, c'est juste l'extravagante odeur de la grande lady. Mais c'est bon que tu sois levé. Pourquoi? Bah, parce que c'est... Tu vas pouvoir commencer ta ronde. Et puis c'est l'heure de mon beau dodo. Pas aussi vite. Tu devrais t'excuser auprès de Strong Girl. C'est qu'on utilise des câbles cachés pour sa permanence. C'est un miracle que les gens ne la réalisent pas. Elle est quand même très forte. Ça, est-ce que t'es en plus de ça, pourquoi serais-tu concerné à propos de ces sentiments alors que le cirque est sur le point de s'arrêter? Tu penses que le shérif va nous faire fermer le cirque? Ce que je pense n'a aucune valeur. Et bien sûr, là, tu es anxieuse. Au moins, on peut dormir tranquille en sachant que cette brave femme surveille l'extérieur. Personne n'entre, personne ne sort. Ah. Make me sleepy. Maybe I should thank you for being so brave. Te parler m'a rendu complètement... m'a endormi. Je devrais peut-être te remercier d'être si ennuyeuse. Buona gnocchi. Ça veut dire bonne nuit. Crystal climbed into bed, but she still had a thousand questions. So much had happened today. Her head was spinning. She was anxious and felt lonelier than ever because despite being surrounded by people, she had no one to talk to. Then she thought of the boy and how sweet he was. He noticed her,
He understood her. He wanted to help her. He offered that human connection she was longing for. If she left with him, she wouldn't have to worry about the sheriff, the key. The thought of running away gave Crystal a moment of relief, and she soon fell into slumber. Crystal woke up by a gentle knocking. Mm-hmm. She scratched her eyes and saw the boy smiling on the other side of the window. Je vais te réveiller, je vais juste te dire au revoir avant de partir. Mais t'as dit que tu resterais au moins jusqu'au matin. Yeah, je sais, mais quelque chose est arrivé. Quelque chose. Je suis pas sûr que je devrais te le dire, mais tu pourras avoir des problèmes. Je m'en fous si je voudrais. Si je tombe dans. Je m'en fous si j'ai des problèmes, je veux savoir. Bon. Tu dois avoir le. Je pense que tu. Dois avoir le droit de savoir. Après tout, je suis arrivé ici pour te recruter. Recruter ? Crois-le ou pas, je ne suis pas un garçon ordinaire. Je travaille pour la résistance. La résistance. Ouais. On te recherche depuis un petit moment déjà. Pourquoi tu me recherches, moi ? Tu as des pouvoirs de grande valeur qui pourraient nous aider dans notre combat contre les aigles. J'ai des pouvoirs, moi ? Ouais, c'est confirmé. C'est pas confirmé, mais oui. Pensons qu'il y a un grand pouvoir en toi. Mais il est endormi pour le moment. Voilà. Mais là, les plans ont changé. J'ai été appelé au quartier général en toute urgence. L'information que j'ai, c'est que l'aigle a déployé son armée dans les territoires internationaux. Ça veut dire que sa montagne est complètement et pas du tout gardée. Et je pense que c'est le moment idéal pour attaquer, avec ou sans tes pouvoirs. Ça veut dire que tu empêcheras le shérif de fermer le cirque? Ouais, définitivement. Bon, désolé, mais là, il faut que j'y aille. Ça a été un plaisir de te rencontrer, fille de verre. Attends, j'ai fait mon choix. Amène-moi avec toi. Je n'appartiens pas à cet endroit, et je veux aider aussi. Si on n'arrive pas à stopper le shérif, de toute façon, je serai à la rue. Ça veut dire que tu deviendrais. Que tu devrais te battre contre les aigles, ça c'est dangereux. Mais tu sais que j'ai des pouvoirs spéciaux. Tu disais que j'avais des pouvoirs spéciaux. Mais ça peut prendre des jours, des semaines, des mois pour que tu apprennes à contrôler les pouvoirs. Si notre théorie tient la route, bien sûr. Je peux me défendre jusqu'à ce moment-là. Strong Girl m'a appris comment faire. Amène-moi avec toi. Si t'as fait ton choix, je vais pas t'empêcher de venir. Habille-toi et rends. Retrouve-moi à l'extérieur. Mais comme je suis censé passer devant le. La femme ours, elle me laissera jamais sortir de la caravane au milieu de la nuit. Tu devrais avoir quelque chose dans ta poche que tu pourrais utiliser. Et j'ai pas de poche. Vérifie. A dust bunny, a piece of paper, a bunch of cookies. A bunch of cookies. Perfect. Parfait, utilise ça. Et comment je suis censé. Bon, il est déjà parti. Where did they come from? And how were they going to help her get past the bear woman? They did look delicious though, so she took a nibble. Suddenly the room started growing. Crystal screamed, but her voice was so feeble no one heard her. She realized it wasn't the room which expanded, it was she who had shrunk. Then everything began shrinking again, and she realized
It was only a moment until she would return to normal size. She hurried past the bear woman while she was small enough to go unnoticed. By the time she exited the caravan, she returned to regular size. Ah. Hey, dépêche-toi. J'arrive. Ah. Quoi? L'ours... L'ours en plus géant est servi. Ça doit être l'aigle qui est derrière tout ça. Il essaie de nous empêcher de partir du cirque. Dirty children climb Megatelly, Gigatelly along the rain. Holes everywhere. Tout le monde a traité Teddy comme une ordure et maintenant il va faire de même. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va devoir le battre. T'en fais pas, tu restes derrière moi et tu attaques à distance. Je m'occupe de te garder en vie. Attaquer à distance? Ouais, juste envoie ton balai dessus. I can't follow the bloom. Je peux pas envoyer mon balai, comment je le ferai revenir? Oh, tu t'en fais trop. Désolé. Dalby. Non, sois pas. T'es adorable. Bon. De toute façon, ce petit n'a aucune chance contre mon épée. C'est parti. Giga Teddy va mâcher la tête du petit comme du popcorn. Et la girls. Et la fille sera. Un cure-dent. Allez, vas-y, envoie la sauce. Je me focus en fait. Ah, d'accord. Donc je suis obligé, c'est ça? Oui. Ah mais d'accord, je programme son attaque et ensuite lui il choisit l'attaque qu'il va faire en fait. Ah, tu vas regretter d'avoir mis Teddy en colère. On peut toujours pas se... Ah si, je peux me concentrer cette fois-ci. Ouf. Ah ouais. D'accord. Ok, j'étais pas prêt pour ça. Ah, est-ce que t'es ok? Ok. Ah, il est plus fort que je ne pensais. Si on anticipe ce push... Non, you're all exposed, go behind me again. Oui. Qui a dit tellement de vénère. Alors, ouais, c'est ça. Mais non, mais j'ai fait une attaque à distance. Oh la vache. C'est pas grave.
Pourquoi il faut le faire deux fois? Je comprends pas trop ça en fait. Oh non, mais comment tu as pu le louper, sérieux? Ah, c'est bon. Il a plus d'énergie. Ah, parfait. Ah non. Ah, toi, t'as plus d'énergie non plus. Alors, donc là, tu vas taper, toi. Donc, je vais focus pour taper à distance. Et toi, je vais focus aussi. Alors, toi, tu push so hard. Donc théoriquement, voilà. Et toi, ensuite tu vas te projeter à l'avant, donc j'ai envie de dire que tu vas faire ça et ça. Voilà, paf, voilà, c'est ça. Pas grave. Est-ce que tu vas me taper là? Je crois que tu vas me taper, ouais. Oh non, raté. Ah merde. Ça c'est du ratage complet ça. Donc bon, on va y aller bourrin. C'est pas grave en fait. Toi t'as un bouclier donc alors. Donc théoriquement, tu vas encore une fois me mettre un coup de patate là. Ça fait quoi ça? On va voir ce que ça fait ça. Ah oui d'accord, c'est pour revenir en arrière, ok. Tac. Impec. Voilà, là il a plus d'énergie. Il a plus d'énergie. Ouais, c'est de se concentrer évidemment avant que ton opponent n'ait plus d'énergie. Comme ça, tu peux l'attaquer deux fois quand c'est vulnérable. Ah oui, 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 le stacking ou le fighting. En plus, je suis concentré. Bah oui, tu m'expliques une technique alors que je sais parfaitement que. Voilà, c'est exactement ce que j'avais fait quand même. Ah, t'en as assez? T'en as assez eu? J'y
J'ai Catelyn not giving up. Je vous avalerai tout entier. Ah, j'aimerais voir ça. Attention quand même. As empty as it has. Ouais, ce truc là fait des promesses en l'air. Oh. Oh sérieux? What the fuck? Crois en toi, fille de verre. Je sais que tu peux y arriver. Comment c'est supposé m'aider? Hey, je suis celui qui a été avalé vivant. Hein. Hey, c'est pas ma faute. Hein. Je me t'ai dit qu'il fallait faire attention, mais tu m'as pas écouté. Oh, very good, so like old married couple. La fille et le garçon parlent comme un vieux couple. Ils seront bientôt réunis dans le ventre de Teddy. Don't worry, I won't let the eagle win. I'll get you somehow. Ouais, je compte sur toi. Alors, comment on va faire ça? Ah, je peux plus me concentrer, c'est ça? Là, voilà, c'est la fin pour moi. Hein. Je peux pas y arriver là. Avec un balai, ça va pas être possible. Mais je pourrais peut-être utiliser mon pouvoir spécial, mais comment? Je sais même pas à quoi ressemble. Je sais. Spit him out! Ok. Vraiment? Mais non! Ah, ça marche pas, je dois avoir une autre approche. Je te comprends. La fille comprend Giga Teddy. Giga Teddy ne comprend pas. Explique. Moi aussi, je me sens parfois comme une ordure. Vraiment? Oui. Ma vie entière. J'étais un boulet. C'est triste. Tu veux que Giga Teddy tue le garçon pour toi? Non, 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 je veux pas. C'est le seul qui me voit pas comme quelque chose de nul. C'est pour ça que je veux aller avec lui. Giga Teddy comprend maintenant. Mais la voix dans la tête de Giga Teddy me dit de tuer la petite fille. Résiste. Giga Teddy ne peut pas. La voix ne s'arrête pas. C'est pas vrai. C'est vrai. La voix ne s'arrête pas. Quelle voix? Personne ne veut de toi. Tu es inutile. Allez, mais pathétique ordure. C'est à cause d'heure. C'est à cause d'elle. Tes souffrances cesseront lorsqu'elle mourra. Tue-la. Tais-toi, tais-toi. C'était qui ça? C'est l'aigle qu'il contrôle. Avec la peur. Pour Teddy. Hey, comment ça va toi à l'intérieur là? Pas terrible. Enfin, pas mal. C'est assez confortable en fait. Donc je suis ici en train de battre pour vos vies et pour nos vies. Et toi, t'es tranquille dans ton cocon. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Oh, c'est pas juste. Enfin bref, Giga Teddy. Écoute, la voix te ment. Tu n'es pas inutile. Petit ourson en peluche. Tu es aimé. Mais pourquoi personne n'amène Giga Teddy à la maison alors? Parce que personne ne peut pas. Ah, le monsieur loyal t'utilises pour faire croire aux gens qui peuvent acheter des trucs de des tickets de loterie et gagner. Mais c'est une arnaque.
Une tonne de gens se veulent. Les enfants... Les enfants pleurent quand ils ne peuvent pas te ramener à la maison. Monsieur Loyal, mais fais pleurer les enfants et Gigatelli. Le monsieur Loyal doit mourir. Oh. Bon boulot. Il veut plus nous tuer maintenant. T'as pas bien compris, Gigatelli. Oui, ok, d'accord, le monsieur Loyal a fait des trucs pas terribles, mais le vrai méchant dans cette histoire, c'est l'aigle. Si tu nous laisses y aller, on pourra s'en débarrasser. La fille et le garçon vont faire la voix dans ma aile, arrêter la voix dans ma tête. Oui. Ok, je vais te le cracher maintenant. Maintenant, prenez Gigatelli avec vous. T'es un peu gros, mon pote, mais tu peux pas pouvoir venir avec nous. En fait, il y a peut-être un moyen. Mange ce cookie. Om nom nom nom. Teddy is tiny now. Et voilà. Maintenant, il rentre dans mon sac. Donc, on va avoir un ourson en peluche psychopathe dans notre sac. C'est bien, ça. Oui, tiny Teddy. Bon, alors, maintenant, on fait quoi? Tu vas encore du chemin avant de débloquer tes vrais pouvoirs. Mais ce soir, tu as prouvé que tu faisais partie de la résistance. D'ailleurs, la résistance, le quartier général secret de la résistance est la ville d'à côté. C'est quand même à une certaine distance, alors on devrait y aller maintenant plutôt que d'être en retard. Madame Papillon n'aime pas trop quand on est en retard. Qui est Madame Papillon? Madame Papillon, c'est notre chef. J'ai hâte que vous rencontriez. Comment on y va? On vole. The boy knew exactly what to do. He took Crystal's hand and showed the way. She could see everything from above, and nothing was in her way. This was freedom, and it was exactly what she had always dreamt of. She was so happy. If there was ever time to burst into song as if she were in a musical, this was it. But her singing voice was terrible, and she'd rather not ruin the moment. Instead, she waved at a passing flock of geese, and they greeted her back with a... What? Ah? Ah, elle a rêvé. Ah, c'était juste un rêve. Je devrais aller voir le garçon avant qu'il parte sans moi. Bon, qu'est-ce qu'il a à dire lui? C'est pas mon problème. Ah, t'es vivante. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je t'ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. J'ai vu un monstre, un ours monstre. J'ai eu peur qu'il t'ait bouffé. Giga t'a dit, prends vie. Ouais. Cet énorme ours du show là, du cirque. Il est devenu fou. Je l'ai vu sortir de la caravane après que tu sois allé au lit. Ah. C'est la femme ours, c'est mon ami. Ton ami avec le monstre? T'es ami avec le monstre? C'est pas un monstre, elle est juste déguisée en ours. Et elle est pas si grosse que ça. C'est un costume. Ah ouais, c'est un costume, je suis bête. Mais pourquoi elle enlève pas après le show? C'est un peu suspicieux tout ça, hein. Non, c'est juste confortable. Tu sais ce qui est suspicieux? La prima donna Luciana, whatever his name. Quel est, peu importe son nom. Tu veux dire prima donna Luciana Valentina Scorticini? Ouais, celle-là même. Je pensais qu'elle était retournée en Italie. Non, elle est là en chair et en os.
Enfin, en tout cas, jusqu'à ce que la cigarette la tue. J'espère que ça soit plus vite que prévu. Pourquoi tu dis ça? Elle me déteste. Elle veut me voir partir. Mais comment... Pourquoi les gens pourraient me détester? Je suis la fille la plus sympa du monde. Elle doit être le diable ou quelque chose comme ça. Ouais. Est-ce que tu as pu réfléchir à notre histoire? Est-ce que tu veux partir du cirque? Oui. Oui, je veux partir avec toi. Ah, super, je suis content. Alors, est-ce que tu veux aller? J'ai envie de rencontrer Madame Papillon. C'est peut-être possible. Mais comment tu connais Madame Papillon, au fait? Attends, elle est vraie? Ouais, bien sûr. Mais si on va aller là-bas, il va falloir voler. Non, je vais dire trouver une voiture. Ah, oh. Madame Papillon est dans la ville. C'est un peu loin d'y aller à pied. Je dois m'en occuper. J'espère que c'est bien. D'accord. Ah ben non, il y a tout Internet qui débarque là. Mais écoute, il y a du bien et il y a du moins bien. Disons que le système de combat, je trouve que les menus sont pas très agréables à l'utilisation en fait. J'espère que ça prend pas beaucoup beaucoup de temps dans le jeu parce que c'est quand même un peu long quoi. J'ai une idée mais tu devrais pas l'aimer. Et si on prenait cette voiture là? Mais c'est la voiture du monsieur Loyal. Et c'est une bonne idée. Ah, oh, j'aurais jamais pensé que t'étais de ce genre de rebelle. Ok, j'adore ça. Mais on va avoir besoin des clés de la voiture. Et il n'y a aucun moyen qu'il me les donne. Alors je vais devoir les voler quand il ne regardera pas. Ok, ça a l'air d'être mon plan. Ouais. Et dès que j'ai les clés, on file voir Madame Papillon ensemble. Donc le plan était de voler la Ring Master's car. Which was easier said than done. But at least these keys weren't inside someone's stomach. Non, alors là c'est la version complète que j'ai du jeu. Enfin, on m'a dit que c'était la version semi-complète du jeu. Et je l'ai depuis un petit moment, donc je me demande si si c'est vraiment la version finale ou si c'est une build qui va être updatée avec la version complète et tout un tas de mises à jour. Parce que comme j'expliquais à Crime, tu vois là par exemple t'as le curseur de la souris au centre de l'écran, alors que si tu choisis d'utiliser la manette, t'as un curseur en forme de manette, enfin c'est un autre curseur quoi. Et pareil, les options elles sont un peu spartiates. Déjà t'as pas de français, tu peux pas choisir de revenir sur la manette, une fois que t'as choisi la souris tu peux pas revenir en arrière. Il y a plein de trucs un peu étranges en fait. Tiens, et je vais en profiter pour sauver tant que je suis là. Tac. Après les combats, c'est les menus sont... Franchement c'est pas foufou quoi. Autre chose qui me déplaît un peu, c'est la vitesse du perso. Tu vois, que je cours ou pas, il n'y a quasiment aucune différence. Et en fait, quand tu double-kick, normalement tu es censé courir, mais ça marche une fois sur 3 ou 4. Pareil, les combats, les icônes sont tellement petites, en tout cas les hitbox des icônes sont très petites. Et du coup, parfois, tu es obligé de t'y reprendre à plusieurs fois. Alors, il n'y a rien qui soit pas corrigeable, hein, mais c'est vrai que là, pour l'instant, ça donne un peu une impression de jeu en bêta. Voilà quoi. Mais après... Après, ça reste un jeu qui est charmant, t'as pu le voir, vraiment. La DA est super. La musique est cool, la voix du narrateur est cool. L'idée, je trouve que l'idée de mélanger tactique et point and click, ça passe. Après, moi, je suis pas un grand fan des. Comment dire, des visual novels. Donc je trouve que ça parle un peu beaucoup, mais bon... Voilà, c'est... C'est pas... Voilà. Pas non plus... Ouais, ça, on l'avait eu. Dégage de mon chemin, petite fille. Monsieur Loyal, ouvrez la porte tout de suite, ou je la défonce. Je vous ai déjà dit, je ne peux pas. Je veux revenir un autre jour.
J'ai quelque chose à voir d'important avec vous. Je ne partirai pas avant que nous soyons face à face. Ce n'est pas possible. Allez-vous-en tout de suite. Oh, aujourd'hui ou plus tard, vous allez avoir à sortir de votre appartement et je vous attendrai dehors. The car keys were inside the apartment, so Crystal had no choice but to get rid of the sheriff first. But how? She thought long and hard. Oh. She had been stung by a wasp. She looked around and saw a whole swarm. Maybe she could use that somehow. Alors, ça, il va falloir que je me... Ah oui, je sais comment je vais faire. Hop, je vais prendre le pot de miel. Honey, the edible coal. But this was the bear woman was having breakfast, or Crystal wasn't sure it could be called breakfast when she was also getting ready for bed. Crystal had no good reason to bother the bear woman. Crystal had no reason to take the butter. She was running away, not going on a picnic. Le pain. Not take bread. Ok. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais m'arrêter là. Ça vous a permis de voir une bonne grosseur et demie du jeu. On a pu voir un grand combat. Vous avez pu voir un peu à quoi ressemblaient les combats. Donc ça va se jouer. Ça va se jouer un petit peu comme du Darkest Dungeon, hein, grossièrement en fait. Les têtes à tête sont vachement longs, ça passe, ça casse pas mal le rythme. Ouais, les têtes à tête sont longs et ça parle trop pendant les combats, quoi. Alors là, c'était un peu mieux contre le, avec le teddy bear, mais ça parle quand même pas mal, en fait. Hein. Après, il y a rien de catastrophique, hein, mais c'est juste que, effectivement, ça casse le rythme. Regardez là, mais je crois que là, il y a rien à faire. Hein. Ouais. De toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là. Vous avez vu une heure et demie du jeu. Que dire? Je crois qu'on a tout dit ensemble quand on a résumé les points forts et les points faibles. Moi, j'aime bien ce qui se dégage du jeu. Après, j'aimerais juste que ça soit un poil moins bavard. Mais ça, bon, ça sera pas corrigé malheureusement avant la sortie. Qu'il y ait plus de rythme, mais ça, moi, je pense que c'est figé, ça bougera pas. Par contre, ce qu'il faut vraiment, c'est accélérer la vitesse du personnage, là. Et puis régler ses problèmes d'interface en combat parce que c'est assez chiant. Il y a rien qui ne puisse pas se régler. Je vois rien qui puisse pas se régler, quoi. Voilà donc pour The Girl of Glass. C'était une petite surprise finalement qui n'était pas si mauvaise. Hein. Moi, j'ai passé du bon temps dessus. Je sais pas si j'irai au bout, je sais pas s'il y aura un test sur Factor, mais en tout cas, vous retrouverez cette vidéo prochainement dans le replay sur notre chaîne YouTube. J'espère que ça vous a plu. On va se retrouver la semaine prochaine, nous, avec Shing, mardi soir, normalement. Ça fait partie des jeux que j'ai en retard, qu'il faut que je mette, donc je le mettrai au programme d'un Tu Connais, un petit beat'em all qui a l'air bien sympathique. Et puis il y aura peut-être d'autres surprises dans la semaine puisque c'est la semaine de la PAX Online et de l'EGX Digital. Donc il y aura peut-être des nouveaux streams dans la semaine, je ne vous dis rien, mais il y aura peut-être de belles surprises à venir. Donc voilà, restez à l'affût sur le Discord ou sur Twitter et vous aurez peut-être de belles surprises avant la fin de la semaine. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, restez au frais, là il y a les grosses chaleurs qui s'annoncent. Merci à tous ceux qui étaient là, Sky Willy, Crime et autres, toute la team Gameside Story qui s'était invitée ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, un très bon week-end. Ciao, ciao.